Indochine, 1959. Les Français ont abandonné le pays après avoir subi une humiliante défaite. La région est devenue le repère de toutes les crapules d'après-guerre. Il est une histoire que l'on raconte dans le sud de la Birmanie. Elle relate le rendez-vous d'un homme avec la mort. Un homme que l'on avait poussé à bout et qui contre-attaqua. Un homme qui tint tête à une armée et versa des rivières de sang. Les incrédules refusent d'y croire et ignorent cette légende. Mais les faits sont pourtant là. Tout est vrai. J'ai connu cet homme pendant assez longtemps. Et je l'ai aimé comme un fils. Les Français avaient déguerpi en 54, et les Américains n'avaient pas encore posé une botte sur ces terres. Dans cet entre-deux, l'Indochine offrit un refuge idéal aux hommes qui étaient en bout de course. Des criminels de guerre européens, des ex-nazis et toute forme d'indésirables. Ou des hommes dont la tête était mise à prix dans l'Ouest. Des hommes comme Martin Tillman. Est-ce que vous croyez qu'il a ses chances ? Mate Bay ! Lambert ! Mollem ! Je vous ai offert le tigre et l'éléphant, messieurs. Martin, sors de là, allez. Plus vite. Viens. Et à Rastignac, je vous en prie, il est à vous.
Je m'appelle Jean-Pierre Rastignac. Je suis connu sous de nombreux noms. Mais tu vois celui auquel je suis le plus associé. C'est le bourreau, tu entends? Je te défie à la loyale. Mis à part cette lame, nous sommes relativement sur un pied d'égalité. On m'a dit que si je me battais, je serais libéré. Ce combat aurait pu être ton salut, mais t'as perdu. Tu vas prendre ma place. Tu n'aurais pas dû faire ça au caporal. J'ai demandé au gardien pourquoi un poste de police colonial avec une seule cellule pouvait garder un prisonnier pendant 3 ans. Ils m'ont dit que toi seul avais la réponse. La plupart des prisonniers qui finissent ici n'ont plus d'espoir. Je pensais pouvoir t'aider. Tu viens 2 fois par semaine, avec des fleurs pour lui. Et il t'envoie balader. Je peux t'apporter des fruits. La nourriture ici n'est pas saine. Je n'ai pas besoin de ton aide. Ne perds pas ton temps avec moi. Tu n'es pas une perte de temps. Tu es juste perdu. Je viendrai te voir encore. Au cas où tu changerais d'avis. Cet agent est de nouveau ici. Je dois avouer qu'il est tenace. Je peux le tuer si vous m'en donnez l'ordre. Ah, vous savez, le monde a changé, Boone. Et il faut que nous nous adaptions. N'est-ce pas votre travail de transmettre vos anciens pouvoirs à la police locale? En même temps, ça doit être jubilatoire depuis quelques années de n'être sous le contrôle ni de l'autorité des Français, ni des Vietnamiens. Monsieur Harrison, dites-moi, que puis-je faire pour vous? Ho Chi Minh étend son emprise dans le nord alors que l'influence du président Diem diminue dans le sud. Les Américains observent et vont envoyer plus d'hommes. Avant la fin de l'année, vos semblables allaient devoir trouver un autre bouche pour jouer les grands seigneurs. Peut-être. Mon aide pourrait vous être très précieuse quand ils arriveront.
Et ça me coûtera combien? M6 voudrait extrader Martin Tillman pour le juger en Grande-Bretagne. Nous n'avons personne de ce nom ici. Vous ne réalisez pas l'opportunité que je vous offre, colonel. Je connais vos méfaits de guerre. Vous aurez besoin d'un type comme moi le jour où vous discuterez avec les Américains. Caporal-chef Boone, veuillez escorter M. Harrison à l'extérieur tout de suite. Quand j'étais une petite fille, j'ai recueilli un pauvre chien. Un chien de combat qui avait été laissé pour mort. J'ai regardé ses deux yeux noirs et j'ai senti la trahison. Certains animaux ne sont pas nés pour être en cage, Martin. Pourquoi tu me dis tout ça? Tu as fait de très mauvais choix, c'est tout. Mademoiselle! Je reviens la semaine prochaine. Au revoir. Pourquoi tu t'embêtes à revenir le voir? On construit sa propre cage, Martin. L'alcool est un remède miracle dans ces contrées. Du rhum noir jamaïcain. Ça t'aidera à oublier tes péchés. Sans pour autant perdre les pédales. Tu as agressé un officier supérieur en 53. Tu as été condamné à une peine de 6 mois et tu en as fait 3. Qu'est-ce que tu en déduis? Je me dis que je suis pas le seul criminel dans cette pièce. Dans le nord du pays, tu es juste un ex-soldat dont la tête a été mise à prix. Et dans le sud, tu es juste un ex-tolard, sans passeport. Ce tatouage est une preuve accablante contre toi. Un mandat d'exécution en Grande-Bretagne. Tu n'es pas si différent de nous. Prends Monsieur Rastignac, division bleue espagnole. Il s'est héroïquement battu pour le Troisième Reich. Caporal-chef Boone du 5e bataillon de parachutistes vietnamiens. C'était un héros et maintenant il est considéré par les Viet Minh comme un traître. Et Monsieur Amario. Loyal à Pétain. Il s'est battu jusqu'au bout à Berlin. Santé. Ce bureau est plein d'hommes qui ont misé sur le mauvais cheval, on va dire. Je me sens indulgent aujourd'hui. Alors je vais remplir mes obligations vis-à-vis de toi. Je te rends ta liberté. Et cela immédiatement. Ça veut dire que je peux partir? Nos glorieuses heures ensemble sont terminées. Pour la plupart d'entre nous, l'Indochine aura été le dernier avant-poste. Mais peut-être que nous pourrons retravailler ensemble dans d'autres circonstances. Si jamais un jour nos chemins se recroisent, je peux toujours utiliser un type avec des talents. Je crois que je vais reprendre la route. Réfléchis bien, Martin. Tu ne te verras pas offrir beaucoup d'autres opportunités. À charge de revanche. Tu me reverras un jour prochain et tu n'as pas intérêt à l'oublier, Martin. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Je ne veux pas que cet agent anglais s'occupe de mes affaires. Le vieux colonel avait raison. Martin ne pouvait pas aller bien loin. Il fit route vers la seule personne qu'il connaissait en dehors du camp. C'est là que je fis sa connaissance. Voici Martin dont je t'ai beaucoup parlé, Valentin. Je dois y aller maintenant. J'aimerais que vous appreniez à vous connaître. Je suis heureuse de te revoir, Martin Tillman.
J'ai entendu parler d'un Irlandais qui s'appelle Tillman. Beaucoup de potentiel. Qu'il a gâché. La petite Isabelle qui vient de sortir est moins cynique que moi. Elle est certaine qu'on peut trouver du bon dans chaque homme. Moi, pas vraiment. Dites-moi où je peux trouver de quoi manger et je m'en vais. Je n'ai pas de bœuf pour toi, gamin. Mais j'aurais besoin d'un bon videur. Quelque chose me dit que tu pourrais faire ça. Elle dit que tu es un bon cogneur. Quand j'étais en tôle, elle venait me voir toutes les semaines. Et elle apportait toujours des fleurs pour le commandant. Tu ne sais pas. Que Dieu bénisse son cœur innocent. Donne-moi la photo. J'aurais tellement préféré que cette sale ordure de Hans Tener ne soit pas son père. Elle lui amène des fleurs une fois par semaine, dans l'espoir qu'il la prendra sur ses genoux et qu'il l'embrassera sur la joue. Mais lui, il refuse de la voir. Stener a épousé une Kongai, une fille du coin, et l'a suspectée plus tard de l'avoir trompée. Quand Isabelle est née, ça lui a donné suffisamment de raisons de la rejeter. J'étais au service de Stener, j'ai été témoin de tout et j'ai adopté Isabelle. Elle mérite mieux que nous deux réunis. Si jamais tu fais de la peine à Isabelle, je te tuerai plus vite que je fais un saumon. Et je suis très rapide, gamin. Et il y a une vieille cabane qui sert d'entrepôt, tu peux y dormir. Tu auras affaire à des ivrognes et quelquefois de pauvres types qui veulent tripoter les filles. Tu leur demandes poliment la première fois. Ensuite, tu fais ce qu'il y a à faire. Ça fera l'affaire. Tu es exactement comme moi, Martin. Tu n'es pas encore trop vieux. Tu peux donc encore changer de route. Je vous ressemble pas. Je suis jeune, je suis beau, et je brûle sous le soleil. Tu es un vrai fils de pute. Mais je dois vous avouer, vous êtes la seule personne que j'ai connue qui soit mise en quatre pour m'aider. Je vous suis reconnaissant. Même les pires d'entre nous veulent être aimés. Et pendant un temps, Martin jouit d'une paix qu'il n'avait jamais connue avant. Baron Valentin, certainement. Mais oui, certainement. C'était un prisonnier libéré. Elle, une jeune fille innocente, qui avait vu son patient blessé revenir à la vie. Évidemment qu'ils développèrent des sentiments l'un envers l'autre. Je ne suis pas sûr que Valentin... Est-ce que c'est en ça que tu crois ? Non, je n'ai jamais cru en la cause. J'ai rejoint la lutte parce que mon père et mon frère l'avaient rejoint avant moi. Là d'où je viens, c'est comme ça qu'on fait. Tu es ici chez toi, Martin Tillman. Laisse le passé derrière toi. Et
Et il se tourne vers son pote et dit « Siamus, je te dis qu'hier soir tu t'es tapé un pingouin !» Ouais, vous savez quoi, on se laisse si facilement accaparer par des trucs dans la vie qu'on passe à côté de moments précieux comme celui-ci. Je trinque au futur. Au futur. Ouais, on va sûrement pas trinquer au passé. Pour ne plus jamais revivre ce qu'on a vécu avant. Santé. Santé. Non, sérieux, j'étais vraiment à New York. New York? 2 semaines. Et tu as... Est-ce que quoi? Tu t'es cassé la main? Oui, je me suis cassé les mains. Et je suis devenu un putain de boulanger. Ce mec est impayable. Je t'avais dit de plus revenir ici. Voilà. Maintenant, tu dégages. Il se prend pour qui, ce connard, hein? Je me suis trouvé un dur à cuire, les mecs. Il y a de bonnes récompenses dans le pays pour les déserteurs. Tu le sais, ça? Tu as la gueule du type qui aime bien cogner. Bah, tu sais quoi? C'est ton jour de chance, gamin, parce que moi aussi. Chut, chut, chut. Écoutez. Ce sont tes genoux que j'entends trembler. Rentrez chez vous. Et si vous voulez toujours vous battre, vous avez une putain d'opportunité. Je te dis que ça va, ok? Non, ça ne va pas. Si, ça va. Tourne la tête. Tourne la tête. Aïe! Non, je plaisante. Grand bébé. Ah. Là, je comprends mieux. On est fermé, revenez demain. C'est mon pays. Mes lois. Mon revolver. Martin et moi, on est deux vieux potes. Ça te dérange si je reste? Pas moi de tir. Merci. Isabelle, vas-y, rentre, allez. Est-ce qu'elle croit toujours qu'elle est la fille de Stenner? C'est la fille de Stenner. À grand frais, notre ami commun, le colonel Stenner, a fait venir un champion de boxe. Ce soir, quelqu'un l'a foutu KO en un rien de temps. J'ai donc décidé de retrouver le type qui en est responsable. Monsieur Valentin vous a dit qu'on était fermé. Revenez plutôt demain soir. Tu viens de te mettre à dos le type le plus dangereux d'Indochine. Désormais, tu vas avoir besoin de moi plus que n'importe qui dans ce monde. Pourquoi tu ne viendrais pas te battre pour nous? Stenner a envoyé l'agent britannique dans le Nord, alors... Tu pourras te faire de l'oseille. La vie sera plus facile. Je préfère continuer ici si ça ne vous dérange pas trop. Si tu changes d'avis, tu sauras où me trouver. Stenner doit déménager son organisation.
Un bar comme ça ferait parfaitement l'affaire. Ce n'est pas mon client préféré. Nous fermons plus tôt ce soir. Je ne vous porte pas chance. La malchance n'existe que dans notre inconscient. On s'inflige ces choses-là à nous-mêmes. Elle me poursuit pourtant. Écoute-moi, fiston. J'ai vu quelque chose en toi quand tu te battais dehors. Peut-être que tu devrais cesser de le fuir et l'accepter. Je pensais pas que tu serais debout si tôt. Je vais prier pour toi. Je veux que tu me promettes quelque chose. Ne me regarde plus jamais me battre. Ne parie pas sur moi. Ne participe pas à tout ce qui se passe quand je rentre sur le ring. Je ne comprends pas. Quelque chose se déclenche quand je le fais. C'est une partie de moi que je ne veux pas que tu vois. Je porte malheur aux gens qui sont autour de moi. Martin Tillman. J'ai bien réfléchi à votre offre et... je crois que je vais l'accepter. Eh bien, ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Chercher leur argent. Que désirez-vous? Un gin tonic, s'il vous plaît, cher monsieur. 3 mesures de gin, 4 mesures de tonic, quelques gouttes de citron vert, si vous avez. Je pense que je peux trouver du jus de citron quelque part. J'étais dans le Nord.
Ça fait du bien d'entendre parler la même langue que soi. Service diplomatique ? On peut dire ça. Je suis à la recherche d'un Irlandais. Un boxeur. Oui, mais maintenant il est parti. Il y a des centaines de criminels dans les alentours, cher monsieur. Des nazis en fuite, des meurtriers, des criminels de guerre. Pourquoi ce type ? En 1946, Martin Tillman a déclenché plusieurs bombes de grosse ampleur visant la police royale de l'Ulster. Nous savons qu'il travaillait avec son père et son frère qui faisaient partie d'une colonne mobile de l'IRA. Mais comme ils ont été tués dans une des explosions, c'est le dernier détail à régler, on va dire. Je peux pas vous aider. Si jamais il revenait, vous pouvez me retrouver par le biais de l'ambassade britannique. Vous avez l'air d'un type qui pourrait faire bon usage de 10 000 livres. C'est la récompense pour toute information qui déboucherait sur son arrestation. Est-ce que vous savez à quoi correspondent 10 000 livres en piastres indochinoises, monsieur Valentin ? Allez, qui commence ? Alors, j'entends dire que tu donnes ton argent à Valentin. Tu ne t'es jamais demandé ce que tu donnerais dans un vrai match de boxe. Tu te ferais un max de flouze en Amérique. Madison Square Garden. Tu imagines ? Avant, je connaissais du monde, des politiciens, des investisseurs. Mais moi, je suis le SS Steiner. Et toi ? Toi, tu es Tillman de l'IRA. Ah, j'ai été condamné à mort. Par un tribunal de guerre sans même être là. Et toi, tu as les services secrets britanniques au cul, alors... Le seul endroit où on ne sera jamais, c'est ici. C'est celui où nous sommes.
Ma chère Isabelle, je suis désolé de ne pas être plus présent. J'aimais vraiment et profondément ta maman. Et je suis sûr que ce que tu souhaites que je te dise, c'est... bien que... je t'aime également. Mais... malheureusement, je ne t'aime pas. Parce qu'au fond, tu n'es rien de plus que la fille d'une putain. Et tu ne mérites pas cet honneur, malgré ce que tu penses. J'étais aveuglé par mon désir et par mon inexpérience. Je ne pourrai jamais aimer la fille de celle qui a fait de moi un cocu. Tu n'es rien de plus qu'une vermine sans visage qui habite dans cette décharge purulente. Cordialement, Hans Steiner. Comment vas-tu? Ah, nous gagnons jusqu'à présent. Un agent britannique est venu ici, il voulait te voir. Je savais bien qu'il allait me rattraper un de ces jours. Merci pour l'argent, Martin. Mais j'en ai pas besoin. Steiner non plus, d'ailleurs. Tu peux partir quand tu le souhaites. Tiens, c'est mon passeport militaire. Tu peux mettre ta photo à la place. Steiner ne va pas aimer. Oublie Steiner. Prends l'argent du combat de demain. Pars aux États-Unis, prends Isabelle avec toi. Tu es de nouveau en prison ici, et tu ne t'en rends même pas compte. Pars en Amérique, quitte ce pays. Va goûter à la vraie liberté. Mais vous alors? Eh bien moi, je partirai vers le sud avec la petite, la famille là-bas. Je ferai le prochain combat. Ensuite, j'aurai 2 semaines avant le prochain. On pourra prendre de l'avance sur lui. Quel que soit le mal que tu as fait, ça n'a plus d'importance pour personne. Tant que toi, tu décides de continuer à vivre. Voici 100 000 piastres indochinoises, Martin. C'est la plus grosse somme que tu aies jamais raflée. Cependant, plus personne ne parie contre toi, alors... les probabilités ne valent plus rien. Donc... vous voulez que je perde le combat? C'était facile. Je vous avais dit que ce ne serait pas un problème. Si vous me donnez une grosse part du gâteau, je vous offre un putain de spectacle. D'accord, mais que ça ait l'air vrai. Tu as compris ce qui était dans ton intérêt, Martin, c'est bien. Perds bien, Martin Tillman, parce que ta vie en dépend. Je sais, à proprement parler, j'avais promis de ne jamais parier. Mais je suis sûr de mon coup. Je me suis renseigné sur ce type. Martin va le réduire en miettes. Nous irons dans le sud dans ta famille. On achètera un bar. Un plus gros. En Thaïlande, peut-être. Ouais. Une fois que les Européens arriveront, les Américains seront les suivants et ce sera l'endroit parfait pour gagner beaucoup d'argent. Combien tu as parié? Je te demande de ne pas t'en faire à ce sujet, d'accord? Water. Tu ne changes pas. Je peux rien dire. J'ai jamais le droit de m'inquiéter. Attends. Non, attends une minute. Thank you.
Ça va être dur, c'est du lourd celui-là. Allez, vas-y! Tu sais quoi? Aujourd'hui, beaucoup de gens ont découvert que leur grand héros n'avait pas d'honneur. Ils sont au bar et ils t'attendent. Hé, regarde! Ils rentrent du combat! Alors, messieurs, combien j'ai gagné? T'as perdu, désolé. Quoi? Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour quitter ces lieux. Le titre de propriété et tout ce qu'il y a à l'intérieur appartient maintenant à Monsieur Rastignac. Martin a perdu? Vous le saviez? Vous saviez qu'il allait tout perdre et vous avez laissé Valentin parier? Quel fils de pute! Fais gaffe à ce que tu dis, le Black. Tu ne voudrais quand même pas m'énerver. Vous êtes ignobles, tous autant que vous avez triché. Pas un seul d'entre vous n'a la dignité ou la grandeur de Valentin. Franchement, vous devriez avoir honte. Vous et vos porcs. Ça suffit! Ça suffit. Vous nous avez suffisamment pris ce soir. Vous n'en prendrez pas plus. Non, c'est fini! Ce n'est pas un Espagnol dans un costume bon marché. Un pauvre type soudoyé qui va tout me prendre. C'est bien compris? Baisse ton arme, Valentin. Ce n'est pas juste. Tu n'es pas un tueur. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va, Valentin? C'est ainsi que je finis. Tué de 3 balles tirées de mon propre 45. Plus rien n'eut d'importance. Ni ma vie, ni mon bar. Plus rien. Je démissionnais.
Ce fut une toute autre histoire pour Martin et Isabelle. Le problème avec un fusil à canoncier, c'est qu'il détruit tout à bout portant. Mais sur une longue distance, pas vraiment. La puissance du tir arrêta Martin, l'assomma complètement, mais ne toucha rien de vital. De même pour Isabelle. Le 45, qui mit fin à mes jours, la traversa de part en part. C'était une jeune fille en pleine santé, et bon, on dit que l'humain est l'animal le plus dur à tuer. Martin n'avait jamais été séduit par la religion. Mais là, dans la jungle, il renoua les liens avec son créateur. Il supplie à Dieu de le laisser crever là, de prendre sa vie, en échange de la sienne. Il proposa un marché à Dieu. Si elle mourait, il la rejoindrait au royaume des cieux. Mais si elle survivait, il se fixerait comme mission d'éliminer ceux qui étaient responsables de ce qui s'était passé. Elle mérite mieux que nous deux réunis. Je porte malheur aux gens qui sont autour de moi. La malchance n'existe que dans notre inconscient. On s'inflige ces choses-là à nous-mêmes. Et même si cela lui brisa le cœur, Martin sut qu'il ne pourrait plus jamais la revoir. Ce ne fut jamais aussi clair pour lui qu'à ce moment-là. Il fallait qu'il les tue tous. Ce n'est qu'après qu'il trouverait le repos. Stenner, Rastignac, Amario et Boone. Juste quatre hommes. Mais dans la tête de Martin, les quatre raisons pour lesquelles sa vie avait été détruite. Ça ira.
Ah, au fait, j'attends Steiner ce soir. Il faut que tu vérifies qu'on a une bouteille de cognac non ouverte, d'accord? Et j'entendis une voix au milieu des quatre animaux. Et je vis paraître un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et l'enfer le suivait. Je voudrais voir Rastignac et Steiner. Pourquoi? Rastignac et Steiner. Mouklao, ne rentre pas, Mouklao. Vas-y. Cognac pour vous. Martin? Donne-lui à boire. Non, donne-lui un truc décent. Voyez, ce que Martin savait, mais que ignorait, c'est que dans une bagarre dans un bar, le type qui n'a rien à perdre est celui sur qui on doit parier. Je vais te tuer, tu sais. Et si tes hommes veulent m'en empêcher, je vais les étriper aussi. Un sage dit un jour, méfiez-vous du pendu, parce qu'il est déjà mort. Martin Tillman est toujours en vie. Il est entré dans le bar de Valentin avec une simple machette. Et il a tué tout le monde. Ils avaient des armes, ils avaient des pistolets, Steiner. Il les a fauchés comme s'il n'en avait aucune. Comme un démon. Le boxeur que vous avez tué, enterré, est revenu à la vie. Je vais le retrouver et le tuer de nouveau. Même si je ne suis pas de ceux qui tombent dans l'exagération... Je dois avouer que nous avons un problème sur les bras. Est-ce que vous avez peur, Steiner? Vous devenez vieux. Disons simplement que je ne veux pas prendre de risques. Je tuerai tous ceux qui représenteront un danger. Il peut rien nous faire. Qu'est-ce qu'il peut nous faire? Il va vouloir prendre notre fric. C'est là que j'attaquerai dans la même situation. L'argent est dans mon coffre. À la villa. Je dois rester ici. Il y a une brigade là-bas et ils sont armés. Tout ira bien. Non. Non. Je suis désolé, je n'y vais pas. Non, je n'y
vais pas. Prenez Constantin. Il s'occupera de vous. Constantin, fais venir tous les hommes. Et aussi des munitions. Oui, exactement. Partez. C'est un cognac Louis XIII. Presque un siècle d'âge. Un excellent choix pour cette occasion. Il faudra qu'il soit malade pour venir jusqu'ici. S'il le fait, je le tue. Ensuite, je vous offrirai le dîner pour m'excuser de cet inconvénient. Je le savais que c'était une mauvaise idée. Je le savais. Putain. Constantin, tu mets un garde ici et deux gardes là. Toi, tu viens avec moi. Toi, ici. Vous deux, là. Qu'est-ce que tu regardes? En position à la porte! Allez! Il y en a assez pour tous les deux. Regarde, on peut se faire la belle tous les deux. Regarde. Je me suis préparé à mourir tellement de fois dans ma vie. Mais pas de cette manière si répugnante. Un homme doit se présenter devant son créateur. Fais-tu correctement? Aujourd'hui, nous mobilisons une force de frappe entière pour empêcher un homme de rentrer dans un poste de police.
considérez-le comme mort, cher ami. On y va. Que penserais-tu de moi? D'aussi loin que je me souvienne, Martin s'était toujours battu. Que ce soit en harcelant les Anglais, en chassant les Viet Minh ou en boxant avec des types pour de l'argent, Martin s'était battu pour de nombreuses causes. Mais jamais pour se venger. La revanche était pure, elle était simple. Et elle autorisait tous les recours pour arriver à ses fins. Même s'il fallait être sans pitié. N'oubliez pas vos armes! À vos postes! Allez, on se dépêche. Tenez-vous prêts, hein? Ce n'est pas comme si Martin avait eu une prémonition, comme si la stratégie était pour lui une connaissance innée. Il conclut juste que ce n'était pas un bon plan que de passer par la porte de devant. Restez alerte, restez alerte! Restez derrière, là! Ça vient d'où? Il est où? Une autre, protégez-vous! Trouvez-le! Qu'est-ce que vous foutez? Il est où, là? Trouvez-vous! Tous à vos postes! Trop facile. Vas-y! 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 Sors de ta cachette, espèce de lâche! On va lui faire sa fête! Suivez-moi! Venez! Trouvez-le! Trouvez-le! Marco, reste là. Chiffre molle.
occupe tant. Regarde ce visage. Regarde bien ses yeux. Tu crois que je n'ai pas frôlé la mort avant? Je serai plus homme que tu ne le seras jamais. Je ne vais certainement pas te donner cette satisfaction. Tu n'es qu'une raclure qui a eu de la chance un jour ou deux. Moi, je suis un aristocrate. J'étais lutteur avant. Voyons si tu es si bon que ça. Nous ne sommes pas rivaux. Tu as tort. Cet endroit, c'était ma vie. Je me suis occupé de mes parents, de ma femme, de mes enfants. Maintenant, je n'ai plus rien. Je n'y peux malheureusement rien. Ta tête a été mise à prix, l'Irlandais. Et ça me suffit. Thank you.
Vérifiez que tout fonctionne. Tiens, toi, mets-toi là. Préparez tout ça. Allez, on se dépêche. Commencez à tirer, il arrive. Il n'y a que quand tu affrontes la mort que tu apprécies la vie comme il le faut. Attendez qu'il ne soit plus couvert, et à mon ordre, vous tirez. Qu'est-ce que tu fais, Martin ? Va jeter un œil sur la cible. Tous les autres, tenez-vous prêts à ouvrir le feu quand je vous donnerai l'ordre. Ne jamais envoyer un gamin faire le travail d'un homme. Monsieur Rastignac, où est-ce que vous allez ? Tous au poste, allez! Est-ce que tu veux vivre ou tu veux crever ? Je veux vivre. On perd son appétit pour le sang, Martin ? Pas vraiment. On n'offre pas à beaucoup d'hommes la chance de pouvoir rester en vie.
Que les puissances divines t'aident dans ton combat. Voici de la nourriture pour te donner des forces. Il faut te reposer. Tu ne pourras pas continuer sans le faire. Ce rituel permettra de te purifier. Tu es maintenant en position de gagner cette lutte. La victoire est au bout de ce chemin. L'argent et le pouvoir vont souvent de pair dans ce monde. Et comme Rastignac perdit tout son argent, il perdit toute son influence avec. Sans plus aucune ressource, il devint un autre Européen sans le sou comme les autres. Le traitement de Rastignac envers les locaux lui valut de se créer de nombreux ennemis parmi les natifs. La quête de Martin pour venger cette jeune fille fit le tour de la région et lui attira beaucoup de sympathie. Une fois les hommes de Rastignac partis, sa fortune envolée, ce n'était plus qu'un homme contre un homme. Exactement comme Martin l'avait souhaité. Le lien entre le matador et le taureau est plus intime qu'avec une femme. Tous les deux savent que seul l'un d'eux quittera l'arène vivant. Tu as gagné. Je ne veux plus jamais fuir. Il est vide. Finissons-en comme des gentlemen.
Je m'appelle Jean-Pierre Rastignac. Je suis connu sous de nombreux noms. Mais tu vois, celui auquel je suis le plus associé, c'est le bourreau, tu entends? Je te défie à la loyale. Mis à part cette lame, nous sommes relativement sur un pied d'égalité. Regarde-moi.
Ma chère Isabelle, j'espère que tu vas bien. Je suis désolé de ne pas être présent. J'aimais vraiment et profondément ta mère. Et je suis sûr que tu souhaites que je te dise que je t'aime également. Ça fait un bail, Martin ? Nous pouvons arriver à la gare de Saigon vers 16h. Prendre le train vers l'aéroport. Nous pouvons être à Londres dans 2 jours où tu seras jugé pour meurtre. Mais tu me tueras certainement avant. Alors... Quoi ? Tu pourrais travailler pour moi. J'ai reçu l'ordre de créer une équipe locale opérationnelle. Des hommes avec tes dispositions, c'est du pain béni. L'Indochine est en train de changer. Et nous le devons aussi. Le Christ ne lui avait pas donné grand-chose, à part un talent remarquable pour le carnage et la mort. Et il ne fut plus jamais en mesure de le contester. C'était un tueur. Et c'était tout ce qu'il devait savoir. C'est ainsi que naquit la légende.